Quoi? C'est définitif! C'est des ça change de coup. Well, now I have some money, but... Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. C'est toujours moi, dans mon même pyjama, dans cette même gueule, pas coiffée, pas maquillée, mais prête à vlogger. Bah, vous passez une bonne journée, vous avez passé un bon moment. Est-ce que vous attendez que je dise quelque chose en particulier? Quelque chose comme... Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog du août. C'est un peu corny, mais ça me procure de la joie à chaque fois de dire ça. Le vlog se passe mal si je commence pas comme ça, ok? Laissez-moi avec mes petites croyances. Je me suis réveillée d'extrêmement bonne humeur. Il pleut des cordes, il fait lait, ça pue du cul dehors. Mais j'ai décidé d'adopter une parole plus positive. Aïe aïe, il y a eu un éclair qui vient de se faire. Positive. Il fait pas beau, on dit plus ça. On dit il fait moins moche qu'hier. Voilà. Seb, c'est le professionnel pour avoir une parole positive. Et il est plus heureux que nous tous. Donc soyons comme Seb, adoptons une parole positive. Là par contre il y a de l'orage, ça commence vraiment à me casser les couilles par contre. Désolée, positive. Mais j'ai les yeux rivés sur la fenêtre et il y a de l'orage. Pas grave, je ne pense qu'à mon pop-up, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas grave, le restaurant il est couvert, la boutique elle est couverte. Et dans 2 jours il fait beau. Parole positive, vous l'avez pas dit putain. Tous en cœur. Parole positive. Et je me suis réveillée de bonne humeur parce qu'en fait je me suis juste rendu compte de tout ce qu'on avait fait ces derniers temps. On a une nouvelle collection, on a une nouvelle saison des vlogs d'août, on a ouvert une boutique, on a ouvert une terrasse, on a ouvert un restaurant et on a ouvert un site en ligne. Bravo! Je me suis réveillée avec un sentiment qui est assez rare, c'est que je suis fière et c'est chouette d'être fière. Mais j'attends un peu de faire trop de choses pour être fière. Des fois je devrais juste être fière de me réveiller ce matin en fait. Fière d'avoir tenu toute une journée. Fière d'être me lever le matin quoi déjà, ça devrait suffire. Par contre je crève la dalle. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Bonne journée monsieur. Un petit plat maison, pas cuisiné dans ma maison mais dans la maison de quelqu'un d'autre. La maison d'Uber Eats. Me jugez pas s'il vous plaît. Parce que j'ai commandé un truc horrible qui se commande sur Uber Eats. Un truc qui est facile à faire, un truc que tu peux faire toi-même. Pas des pâtes, pire. Une salade de pâtes. Purée. Bon, il faut pas que mes vlogs tournent autour de la météo. Parce qu'on dirait un peu une vieille personne, tu sais, qui parle tout le temps de la météo. Bon, je vais aller manger ma salade qui m'a coûté bien trop cher alors que j'aurais pu la faire moi-même. Face à une vidéo YouTube, parce que regarder des vidéos pendant que je mange, c'est mon guilty pleasure. Je peux pas manger sans qu'il y ait une vidéo. Genre mon père, il peut manger dans le silence comme ça, juste... Il mange face à la vie. Moi, je veux pas voir la vie, je veux voir Squeezie. Qu'est-ce qu'il y a sur YouTube en ce moment? Il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez pas des youtubeurs à me conseiller en ce moment? Je suis toute oui. Je suis avec Jesse, moi je suis bien dit. J'adore YouTube. Merci de me tenir compagnie dans les moments où je suis toute seule en fait. Tu connais quand tu manges une salade pour la bonne conscience qu'au final tu manges tout sauf la salade? Hop là, je sors de la douche. Et devinez quoi, il ne pleut pas pendant 15 minutes. J'ai 15 minutes pour enfourner, enfourcher, enfourguer. Hein? J'ai 15 minutes pour monter sur mon vélo. Non, faut que je cherche sur internet. Comment on dit putain? Enfourner? J'ai pas envie de le mettre dans le four. Enfourcher mon vélo, idiote. Faites, vous avez rien vu. Cut. J'ai 15 minutes pour enfourcher mon vélo, rejoindre un copain et direction... mon activité de la journée. Bah non, fais pas ça sur le vélo. Désolée maintenant que j'ai un scoot. Je suis trop habituée, je suis une rideuse, vous savez maintenant. Ouais, j'ai mon permis. Mon permis scoot, j'ai juste mon BSR, mais j'ai quand même mon permis. Vous êtes dans mon dressing. Je vous ai pas encore fait de Railroom Tour finalement, mais... This is my dressing. Je sais qu'il va repleuvoir, donc j'ai mis mon hoodie. Pas de petite robe pour l'instant. Faut que je leur parle. Ça c'est mon rayon de petite robe. De chouin finalement qui mérite d'être porté là tout de suite. Enfin... Toi ma vie, promis, dès qu'il fait beau, je t'emmène manger une glace aux Tuileries. Toi, je t'emmène dans un Airbnb avec les copains, 6 verres de rosé à la main. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'aime pas le rosé. Mais j'ai quand même accepté qu'il y ait du rosé à la carte de l'hôtel Mafouf, pour les majeurs évidemment, parce que je sais que vous adorez le rosé. En été, vous êtes grave en mode piscine de rosé, donc on a ramené du rosé à l'hôtel Mafouf. Mais pas pour moi. Je suis plus une champagne girl. Ça! Ce sera pour aller boire une petite coupe de champagne avec mes copains, coucher de soleil. Ah!
Toi, bébé, je te porte dès que Seb il m'emmène en date dans les rues de Paris, on se baladera jusqu'à 1h du matin pour aller voir la Tour Eiffel. Tu mérites. Faut que je parle aussi un peu à mes tongs, mes acolytes, mes vies, mes petites Havaianas. Je vous aime, je vous adore. Vous savez à quel point j'aime vous porter dès qu'il fait un peu plus de 17 degrés. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je vais chercher mes bottines, mais je vous aime. Ah, ça m'a vraiment un peu ému de parler de mes vêtements. Peut-être qu'il faut que je parle à une thérapeute plutôt qu'à des vêtements. Alors, je pense qu'il faut... Petite ceinture. J'adore porter des tenues un peu extravagantes, petites robes, fancy, etc. De temps en temps. Mais au quotidien, j'aime mon jean, mon t-shirt ou mon hoodie à capuche. Et c'est bien d'avoir des petits trucs simples. Après, juste tu mets un peu d'accessoires. Et hop là, t'es jamais sursapé, t'es jamais sous-sapé. Lunettes de soleil. Toujours le vintage. Ok, faut que je le remplisse. Faut juste pas que je mette des trucs top secret. Parce qu'on voit tout. Let's go! Rejoins mon copain Igor. Igor qui à la base n'était pas mon copain à moi, mais le copain d'Olivio. Qui est toujours d'ailleurs le copain d'Oli. Faut le préciser. Bah non, maintenant qu'on est copain, t'es plus copain avec Oli. Ah ok, d'accord. Ah oui. Vous aviez dit ça. Oui. Ok, ça m'arrange pas parce que. Tu l'aimais bien. Les vacances avec lui. Bah ouais, en fait, on t'a le droit qu'à un copain. Quand t'es ami avec moi, tu as le droit d'avoir qu'une copine. Je vais le prévenir. Je passe trop de temps avec Léna. Je suis désormais plus son pote qu'avec toi. Excuse-moi, mais est-ce que t'as filmé la fibroscopie d'Oli? Non. Alors on est plus potes. Vous voyez le docu qu'on a fait au Thelma Fouf ces dernières semaines sur ma chaîne YouTube? Et bah c'est avec Igor qu'on l'a réalisé. Bon, on a deux amis, ok. On a un troisième ami qui en ce moment n'est pas au max de sa forme, comme vous avez pu le voir. Là, depuis que j'ai emménagé, je déteste ma vie. Et c'est quelque chose qui me touche. Et c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on remédie. Donc on va à... Au paradis des adultes. Mon paradis d'adultes. Let's go. Le paradis pour adultes. On dirait les profs de géo qui te montraient sur la carte un truc. Je rentre vraiment dans un endroit que je maîtrise pas. Ikea, la déco. Mais à quoi, t'es jamais rentré dans un Ikea alors que t'avais rien à acheter? Non, je crois que dans ma vie je suis allé une fois à Ikea. Attends, mais t'as jamais Ikea? T'as tout. Quoi? Ouais. Moi j'y vais une fois par semaine. Oh, ça serait beau d'ailleurs dans le pop-up, les petits coussins comme ça. Bon, on n'est pas là pour nous. On est un peu au moment de notre vie où tout le monde déménage. Vous l'avez vu dans le vlog il y a deux jours où avec Marcus on a une belle conversation qui était importante, qui est pas la plus positive. Mais Marcus a récemment emménagé dans son nouvel appartement à Paris. C'est la première fois qu'il vit seul. Gros changement de vie. Et il faudrait que Marc, je pense, pour qu'il soit un peu mieux chez lui, se sente bah, comme chez lui. Parce que, mais comme c'est un appartement qui est meublé, tu vis un peu dans les meubles de quelqu'un d'autre. Donc tout ce que tu peux ajouter, c'est ta décoration. Et il a pas trop pris le temps de faire ça, il s'était concentré sur d'autres choses. Et du coup, je pense qu'on peut lui ramener un petit peu de décoration. Pas ça. Seb, quand je l'ai rencontré, il y avait plein de petits pots comme ça chez lui. Ah, j'ai un seul truc chez moi de déco. C'est des fausses plantes. Je t'ai jamais vu aussi peu à l'aise dans un endroit. Ah, c'est vraiment pas mon univers. D'habitude, je vais te regarder. J'ai l'impression d'être dans une formation okay. En ligne, mais en réel. Alors, formation Ikea. Déco. Je vais t'apprendre à bien Ikea. Là, tu te laisses emporter par la vibe, la décoration, l'inspiration. Tu prends ton petit caddie jaune. Il y a une musique qui représente Ikea. Je pense de la musique suédoise. Musique suédoise. Je comprends que tu connaisses pas Ikea, mais tu connais quand même le concept d'un magasin. Oui. Là, c'est marqué réservé au personnel autorisé. Oui, mais il y a des flèches qui vont dans les deux sens. Les mains. Ce qui est génial, c'est que c'est rangé pièce par pièce. Découvert, important. Plateau que tu mets sur ton lit pour prendre le petit déjeuner au lit. C'est Marcus qui l'a designé. Rideau voilage. T'es prêt? Je suis prêt, je vais aller très vite. Tout commence par un sac bleu. Ah, ah, ah. Ah, vite, Igor. Aïe. On a perdu, on a perdu. Allez, on... Merci, on reprend. Oh. Aïe. On a une dernière petite étape pour la décoration de Marcus et je pense que c'est la plus importante. Ce matin, en me réveillant, je suis tombée sur un commentaire d'une personne et je trouve que c'était le commentaire le plus important et je voulais que Marc l'ait sous les yeux. Bon, on lui fait la surprise, viens vite. Mes copains, mes copains. Qu'est-ce que c'est? Tu veux me faire chialer, toi? Bah, on trouve que tu l'as un peu oublié depuis le début. Arrête. De l'été. Du
quoi, on t'a ramené plein de petits trucs pour ta home. Quoi? Mais venez rentrer. Tu disais que depuis que t'as emménagé, tu te sens pas... Ah non, je me sens à pas à la maison, tu te sens pas bien et tu te sens seule. Je pense que c'est parce que t'as pas fait de ta maison. Mais non, Théma, il y a que ça qui give. Ouais, et il y a la télé. Alors ouais, ça il y a la télé. Et la console. Elle est là. Du coup, t'as pris plein de petits trucs importants chez Ikea. Et Ikea. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y a un pull autour de ta... Mais... En vrai, ça tient. Hein, ça tient. C'est une attelle que tu t'es fait? Ouais. Pourquoi? Mais parce que hier j'étais tellement excité et content de l'ouverture de l'hôtel Mafouf que j'ai sauté dans la piscine. J'ai un plongeon, un vrai. T'as pas pris l'échelle? Marc. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les commentaires du vlog d'hier, ils sont moches. Je l'ai vu très tard le vlog, mais je l'ai vu. Il faut dire à Marcus qu'on est tous passés par là. Mais en fait, c'est triste. Hein. Non, c'est pas que c'est triste, mais c'est dur. Et je n'aime pas. En fait, tout ce qui est nouveau, j'ai vraiment un souci avec la nouveauté. Ça vient pas naturellement de t'occuper de... Déjà de moi. De toi, ouais. Je t'occupe des autres, mais pas de toi. Donc, on s'est dit qu'on allait s'occuper de toi. Alors. Oh, c'est gentil. Hey, t'as vu? Elle est trop mal, la lampe. Tu vois, déjà, t'as une lampe, Marc. Hey, mais c'est lumineux chez moi. Mais tu vois? Alors. Oh, je sais, j'en voulais un. C'est fait pour toi aussi. Regarde. Mais Léna, tu sais que ça, mais j'en rêvais. Ça? Quoi? C'est pour faire de l'ordinateur ou pour manger pendant que tu regardes ta série favorite. Et si jamais t'as envie de rendre le truc un peu plus cosy, petite bougie, tu les mets ici le soir. Ouais, de vibe. Quoi? Mais tu te rappelles pas? Mais bien sûr que. Mais je mettais du sirop dedans. Putain, ouais. Ah putain, mais Léna, tu me connais. Hein. Ça, tu peux cuire des choses avec. C'est pour faire ton gâteau. Mais attention, quand tu pourras enlever avec ça. Il est... Oh my god. Merci. Ok, ensuite. Ensuite, t'as fait un gâteau, tu t'es donné du mal à toute la journée, t'as été crevé. Petite douche. Quoi? J'ai un peignoir. Et les chaussons d'hôtel. Je fais que de les voler à chaque fois, maintenant j'aurai les miens. T'es un hôtel. Quoi? Je mérite pas. Oh, petit rangement. Déjà, tout ce que je vois ici. Hop. Hop. Vas-y, on n'en peut plus du orange là. Oh là là, Léna, merci beaucoup. C'est une balance de cuisine. Ça va servir. Bah, rien que faire ton gâteau, faut bien que tu mesures. Moi, j'ai une technique spéciale. Oui, prendre des pots de yaourt pour mesurer, Marc. Mais quoi? Mais je suis choqué. Mais vous savez, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait... Parce que je sais que tu demandes jamais d'aide et tu détestes de demander de l'aide, c'est pas une honte de demander de l'aide à ses copains, c'est la raison pour laquelle on est là. Trop gentil. Petit à petit, on va faire en sorte que tu te sentes bien dans ton appartement et que ce soit un lieu de joie plutôt qu'un lieu de solitude. T'auras besoin de trouver la lumière. Quoi? C'est des villes, c'est des villes, ça change de coup. Ah non, par contre, vous m'avez... Quoi? Ah non, mais ça me fait trop plaisir, purée. Regarde, change les couleurs comme ça. Ouah, non, je suis trop content. Oh, vélo. Moi, tu mets la tête à l'envers, à l'endroit, en haut, en bas, j'en ai rien à foutre. Mais si on tourne sur nous-mêmes, j'ai un problème d'oreille interne, ce qui fait que je perds vite l'équilibre. Mais il y a beaucoup de personnes qui aiment bien sortir cette excuse-là. Hein. Bah, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont ce vrai problème-là. Par exemple, quand on fait les jeux comme ça, et ben moi, au bout de là, je suis déjà pas bien. Et c'est pas une blague. Tu vois, j'ai vite le tournis. J'ai mal en voiture, j'ai mal en bateau, j'ai mal en avion. À un moment, pourquoi vous me croyez jamais? On arrive au pop-up. Après la folie d'aujourd'hui, d'hier, putain, pardon. Ah ouais. Il reste quoi? Il reste 2 heures avant que la boutique ferme et 3 heures avant que le restaurant ne ferme. Il ferme la queue à une certaine heure pour être sûr que tout le monde puisse rentrer dans la boutique. Et là, on arrive. Igor découvre le pop-up pour la première fois fini. Il était là des nuits et des nuits. Je te laisse la caméra, tu donnes ton honnête opinion. Ok, je me balade. Vas-y. Alors déjà, ça fait très bizarre de le voir avec du monde comme ça. Et je vais faire genre que je suis très à l'aise de parler tout seul devant une caméra. C'est totalement faux. Je suis choqué de fou. C'est incroyable de le voir avec du monde. En fait, j'arrive pas à remarquer les choses que j'avais pas encore vues parce que j'ai l'impression que tout est nouveau. Avec le monde et tout, le fait que ça vive, c'est incroyable. Je crois pas que j'avais vu le restaurant. J'avais pas vu les nappes, tout ça. Ça, j'avais pas vu. J'ai commandé un burger. Merci, burger frites. Oh. Le burger, c'est le chicken burger. À l'intérieur, c'est comme une grosse nugget. C'est les mêmes fausses viandes apivores. Délicieuses là, mais en gros steak pour le burger. Je vous jure qu'on sent pas qu'il est vegan. C'est bien du faux poulet. Mets-moi 2 douzaines.
Bon appétit. La sauce est sauce, hein. Moi, je n'aime la sauce que dans mes burgers. Malheureusement, elle n'est que sur Twitter. Déjà, là, j'ai vu, pas nous, mais les gens qui ont fait la queue. Ouais. Non, mais ils sont tellement ridicules. C'est vraiment des pigeons. Laisse-nous nous amuser un peu. Mais Internet, Twitter, fais pas chier. Non, mais c'est bon. Les gens, ils aiment pas quand les gens ils sont fans d'autres choses. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'une communauté, c'est trop chouette quand t'es entouré d'autres gens qui aiment la même chose que toi. Bande de rats. Il y a une abonnée, elle est venue, elle t'a apporté ça. Je suis sûr qu'elle l'a fait toute seule à la main aux couleurs de l'hôtel Mafou. Ouais, c'est rosé vert. Et en plus, elle t'a mis des bouteilles de coca à l'intérieur. Comment elle sait que j'adore le coca? Comment elle sait que t'adores le coca? Je sais pas. Merci Julie. Oh, je te crois pas, Igor, regarde ce que c'est. Tire dessus. Marcus, oh, wow, Solène. Trop beau. Mais attends, mais c'est merci trop beau, il y a le mot en même temps. C'est une autre abonnée qui est venue, elle l'avait bien emballé, etc. Elle t'a offert ça. Non mais Igor, par contre, notre Léane Gualch. Nouveau challenge, c'est de trouver un endroit ou une soirée où je peux porter ce chapeau pendant les vlogs d'août. Si je mets ce chapeau, genre les gens vont dire yes, c'est normal, elle est dans le thème. Igor, moi je suis pas comme ça. T'es parti deux secondes. Je dis à tout le monde, je fais du sport et tout en ce moment, que je fais. T'es revenu avec un froyo et des mochis, Little Moon. On a une machine à glace. C'était mon rêve, une machine à froyo. On a les frozen yogurts avec topping illimité. Tu mets le topping jusqu'à ce qu'il y ait plus place. La pâte à tartiner, la bonne maman, c'est le meilleur des toppings à mes yeux. Et sinon, si tu n'aimes pas le yaourt glacé ou alors que t'es vegan, on a les mochi Little Moon et certains goûts sont vegan. Le fruit de la passion, mangue, le meilleur. Et celui-ci, il est vegan, le meilleur à mes yeux. Bon, je fais les voix off de mon vlog muet. Qu'est-ce que je me sens conne de pas avoir checké la barre de son de mon micro? C'est chose numéro uno. On s'en sort bien parce qu'on est des rigolos et qu'on a décidé que chaque chose négative cet été sera quelque chose de positif, on a rien à foutre. Problème, solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que tu ne trouves pas que j'ai grandi? Parce que d'habitude, j'aurais pleuré. Ah bah, oui. J'aurais pété un câble. Là, c'est bizarre que moi, je trouve ça bizarre que tu me dis ça comme ça. Ouais. 7 ans, l'âge de la raison. Et un ulcère, pas deux. Finito le stress sur ce genre de conneries. Ça, c'est une vraie citation. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est comme il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais. Il n'y a pas de solution, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien. C'est mieux que plus égale plus. C'est vrai. Ouf. Moi, je dis la vérité. L'amour n'était plus là. Juliette. Un accident de voiture. Pardon, je voulais te filmer, je t'ai cogné. Je t'ai fait un coco avec la caméra de vlog, pardon. Je suis arrivée il y a une seconde et j'ai gâché tout le monde. Oh my god, je suis choquée. Tu fous le bordel avec ta caméra. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Avec sa caméra, elle nous crée des souvenirs qu'on sera content d'avoir. C'est un poil long. Mais oula, même! Oh, je suis choqué! Oh, je suis choqué! I see it glow in the summer haze. I see it glow in the darkest days. Nous sommes arrivés à la fête foraine des Tuileries. Pourquoi, me diriez-vous? Fan numéro uno. Mais mon ami Igor, son dernier soir à Paris, il doit faire ses adieux à ma ville. En tant que maire de Paris, pas Anne Hidalgo, mais la daronne de Paris, tu dois dire au revoir à mon enfant ce soir avant de le quitter. Parce que Paris, tu vas lui manquer. Mmh. Et Paris va me manquer aussi. Oh, la tour Eiffel, elle est allumée, c'est un signe. Tu vois, je suis vraiment la maire de Paris. Regardez, elle est allumée, t'as déjà vu la tour Eiffel allumée? Je l'ai vue quelques fois, mais là... Non, mais genre, c'est la première fois. C'est la première fois que je la vois allumée comme ça. Wow. Ah, mais attends, mais Guive, elle est tellement star. En fait, mes vlogs, c'est finalement un placement de produit entier pour Paris. Mais j'adore Paris. Moi, ça me réjouit. Là, tu vois, j'ai vu la Tour Eiffel, je suis heureuse, je suis contente. Ah, ben on rentre, ça y est, c'est bon, c'est fini. Nous sommes rue du Faubourg Saint-Honoré. Moi, je dis, ça vient du Saint-Honoré, le gâteau. Ouais, moi aussi, je pense. Ouais, il n'y a pas du tout un mec historique. Il n'y a pas du tout un saint qui s'appelle Honoré, c'est vraiment le gâteau. Non, c'est juste le gâteau, vraiment, c'est en mode putain, c'est délicieux. Je suis vraiment la troisième roue du carrosse ce soir en fait. Je tiens la chandelle. Arrête. Poupette, viens en fait. Mets-moi deux douzaines. Alors vous voulez savoir si c'est possible de mettre un goût de chaque un peu? Oui. Ouais. Toute la ligne, s'il vous plaît. Ouais. Oh non. On va y arriver. On va y arriver. Oh. Vous vous appelez comment? Aminata. Aminata, vous avez dead. Je travaille ici pour l'été. C'est ouais, bien. Bravo. Et sinon, je suis encore étudiante. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Aminata?
la réussite dans le foot parce que je fais du foot. Allez, oui, j'adore. Franchement, il y en a qui sont au chômage. Alors, un magret de canard ce soir. Vous avez vidé le bassin, les gars. Je crois, les gars, comme en fait, il est en train de ranger, il est en train de ranger à sa place. Comme il a rangé le bassin d'à côté, il est en mode. Ah, mais ça, c'est bien, il faut notre boulot. Smart. On peut prendre la trompette et le micro. Ouais, micro là. Merci. Si tu le veux. Alors, ça, c'est non. Par là, s'il vous plaît. Non, c'est fermé. Oui, c'est fermé, ma grande, ça y est. C'est fermé. Oh là là. Oh là là. Oh, mais non. Oh. Aïe. Aïe. Je vais plus trop le prendre. Moi, je me laisse pas abattre. Igor. Ben, il va falloir s'habituer. Igor, tu vas, oui, quand même dire au revoir à Paris. Tout le monde dans la caisse. Peut-être que dans 10 ans, il y aura plus de forêt. Peut-être que la mer se sera évaporée. Marcus, allume le contact. Oh, putain. Allume le contact. On aura tous un bus dans la tête. Plus personne n'a l'ombre. Quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la Elle te dit au revoir, ma girl. Ce n'est qu'un au revoir. Dis-lui un bisou parce que là on tourne. Ah, mais c'est la dernière en plus. Dis-lui au revoir. Mais non, mais au revoir. Ça peut pas être la dernière. Non, ça peut pas être la dernière. Ça peut pas être la dernière. Je sens que vous allez vous régaler, vous allez vivre des expériences assez exceptionnelles pendant ce mois d'août, je le sens bien. Et vous allez surtout nous rejoindre. On les rejoint en vacances ou pas, Marc? Oui, bien sûr que oui. De vivre le sentiment où tous les copains commencent petit à petit à être officiellement en vacances et à quitter Paris. Et Paris va commencer à devenir très vide. Genre là, je pense que ce week-end, Paris va pas avoir one cat. Ça va être vide. Nous, on reste là pour l'instant. On n'a rien de prévu de concret pour l'instant, mais je pense qu'on fait le week-end à Paris et puis après je pense qu'on va peut-être bouger un peu nous aussi, hein, histoire de bouger un peu cet été quand même, voir de nouveaux horizons. Et surtout je peux vous expliquer comment je suis excitée, parce que demain c'est le dernier jour où il fait laid. Si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, bah déjà merci de la regarder en entier. Ça me ferait plaisir que vous mettiez sur pause cette vidéo et que vous nous dites juste en commentaire comment ça va. Qu'est-ce que vous avez prévu cet été et comment vous vous sentez? Parce que c'est bien sympa de parler toute seule, mais j'ai un peu l'impression d'être comme sur mon canal Instagram où je parle et en fait, bah, j'ai pas grand-chose en retour s'il n'y a pas les commentaires. Du coup, ça va vous? Sincèrement? Non mais, laver son visage, un cadeau. En fin de journée. Oh putain, j'ai pas bu mon collagène. C'est pas sérieux ça? La porte est ouverte, le pyjama est mis, les dents sont brossées. C'est exactement ça que j'ai voulu dire. Hier, j'ai oublié par mégarde de vous dire bisoui. Et j'ai oublié de vous faire le check du coude. Et aïe, mes mentions. Les messages que j'ai reçus. Mais je suis navrée. Je ne pensais pas que vous étiez autant attachée à ce petit check du coude. Je vous ai pas dit good night. Alors je vais me pardonner aujourd'hui. Je vous en fais deux. Bisoui. À demain. Check du coude. Et c'est quoi? Je te fais le deuxième. On le fait ensemble. Allez, check du coude. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be